Ouais, c'est parce qu'il doit être pour la cam. Et ils vont être là, ça a été convenu avec Olivier, ça. Bon, je suppose. Ouais, à mon avis, bon, j'espère. Qu'est-ce que je... Putain. Tu veux que je démarre le direct ? On va écouter tous ces morceaux dans les prochains jours et on va plutôt demander à Philippe Catherine quelques explications sur le disque qui est ajouté à ceux que l'on connaissait déjà. Donc c'est enregistré à la radio de Brême qui vous a donné du temps de studio. Apparemment, c'est un vrai album de studio, ce ne sont pas des concerts, c'est vraiment une production en studio. Production de radio, oui, est produit par Peter Schultz, qui est il présente les émissions de jazz à la radio de Brême depuis de nombreuses années. Et j'ai fait un travail semblable avec lui, un peu semblable à ce que je faisais avec Marc Moulin, c'est-à-dire il était, il aimait bien le répertoire que je faisais en re-recording, et il m'a accordé deux séances en studio en 1979, juste avant de faire Babel d'ailleurs.
concert. Bonsoir à tous, bienvenue en direct de Flaget pour l'ouverture de la 8e édition du Festival de la Chapelle Musicale Reine-Élisabeth. Chapelle Musicale Reine-Élisabeth qui chaque année organise un festival avec un thème. Cette année, le thème, ce sont les duos. Et ce soir, des duos, il y en aura à profusion. Je vais tout de suite vous donner la teneur de ce programme. Hein. Donc, nous sommes ici dans ce grand studio 4 qui est déjà bien, bien rempli. Alors, la première partie, c'est une soirée au cours de laquelle nous entendrons deux concerts. Donc, on va démarrer maintenant jusqu'à 20h avec la musique de Jean-Sébastien Bach. Et voilà que tout tombe à mes côtés, les disques. Voilà, ça, c'est le direct. Hein. On aura les trois concertos pour deux clavecins de Jean-Sébastien Bach et puis un concerto pour deux violons. Ça, ce sera ce premier concert. Je vous donne tous les détails dans un instant. Mais on aura comme deuxième concert la musique de Mendelssohn, un concerto de jeunesse de Mendelssohn pour piano et violon, une œuvre tout à fait rare. Et puis, on entendra aussi une autre œuvre relativement rare, le seul concerto pour deux pianos de Mozart, le Köchel 365. Alors voilà, ça c'est la teneur du programme. Les interprètes. Les interprètes, il y aura de nombreux artistes en résidence ici à la Chapelle Musicale Reine-Élisabeth. Les artistes en résidence, ce sont, si vous voulez, des étudiants. Et puis, il y aura aussi des maîtres en résidence. Les maîtres, ce sont les professeurs ici à la Chapelle. Et quand on parle de maîtres, on ne fait pas les choses à moitié. Il y aura, par exemple, Franck Bralet qui, lui, va diriger l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Mais il y aura également Renaud Capuçon, un des plus grands violonistes de notre temps, né en 1976. Il a une carrière assez époustouflante. Voilà, tout est un petit peu décousu aujourd'hui, un petit peu de changement de dernière minute. Mais tout ça va rentrer dans l'ordre et j'accueille tout de suite notre invité, c'est Philippe Riga. Bonsoir Philippe. Bonsoir Laurent. Alors Philippe, vous êtes pianiste, vous êtes coach ici à la Chapelle Musicale Reine-Élisabeth, on va expliquer ce que c'est. Vous êtes aussi professeur de piano au Conservatoire Royal de Bruxelles, section francophone. Je ne pense pas que vous êtes à proprement parler le maître de piano, dirait-on. Vous êtes spécialisé en accompagnement. Voilà, exactement, en accompagnement. Je vous demandais de mettre votre micro un petit peu plus près. Et puis, vous êtes également professeur de clavecin à l'Académie de Woluwe-Saint-Lambert. Voilà, ça fait beaucoup d'éclectisme. Oui. Et à la Chapelle, vous êtes un des grands spécialistes. Vous êtes un homme de l'ombre, en fait. Oui. Dans le milieu, tout le monde vous connaît, mais le grand public se dit, tiens, Philippe Riga, on n'a pas encore rencontré. Mais en tout cas, tous les chanteurs vous connaissent parce que vous dédiez votre vie, entre autres, hein, parce qu'il y a vous faites beaucoup de choses. J'ai aussi appris que vous faisiez des costumes pour le spectacle. Donc, vous faites énormément de choses. Mais pour l'instant, on va parler de piano. Mm-hmm. Alors, à la Chapelle Musicale Reine-Élisabeth, quand on est coach comme vous, en quoi ça consiste ? Eh bien, on prépare les œuvres des chanteurs. On les coach aussi psychologiquement un tout petit peu, parce qu'ils ont besoin de soutien. Et ces jeunes chanteurs sont un peu, on va dire, un peu fragiles dans le début de leur carrière, et donc ils ont besoin d'être vraiment drillés. C'est vraiment du drill, quelque part. C'est, allez, on reprend, on refait encore la phrase, attention, là, tu respires pas bien, etc. Donc, ça veut dire que vous savez aussi comment il faut respirer, comment il faut chanter, oui, alors même que vous êtes pianiste. J'ai quand même fait du chant il y a très, très, très longtemps. Donc, quand on joue du piano, on respire aussi, finalement. Ah, bien sûr, surtout en tant qu'accompagnateur, on respire en même temps que les chanteurs. Alors, ce qui est très intéressant dans votre personnalité, Philippe Riga, vous le dites de vous-même, et c'est vrai, c'est votre éclectisme. Oui. Vous adorez jouer du Parc, Frank Bridge, mais vous jouez aussi du clavecin. En effet. Vous connaissez bien la musique de Jean-Sébastien Bach. Oui. Et Jean-Sébastien Bach, il est au cœur de ce premier concert. Alors, je regarde mes petits documents parce qu'il y a eu pas mal de changements. Mais ce qui n'a pas changé, c'est que toute cette première partie est entièrement dédiée à la musique de Jean-Sébastien Bach. Jean-Sébastien Bach qui a écrit trois concertos pour deux clavecins. Alors, il est important de préciser, Philippe Riga, quand on parle de clavier, de clavecin, de piano, il y a une chose dont on est absolument sûr, c'est que le grand piano de concert, ici une marque japonaise qu'on ne nommera pas, le grand piano de concert tel qu'on le connaît en 2017 et depuis un bon siècle, n'existait pas à l'époque de Bach. Hein. Non, il n'existait pas, mais il y avait déjà le pianoforte qui faisait son apparition.
bien que... Vous expliquez à nos éditeurs ce que c'est un pianoforte. Alors, le pianoforte, c'était... Donc, il y a Cristofori, peut-être que ce nom dit quelque chose aux auditeurs, est un inventeur italien qui a trouvé un jour qu'il valait mieux frapper les cordes plutôt que de les pincer, comme sur un clavecin. Et donc, frapper les cordes, c'est comme sur un piano moderne, c'est un marteau. Mais au début, c'était du papier, du parchemin rigidifié qui frappait les cordes. Mais bon, Bach a connu ça, il n'était pas très content. Et donc, il a continué à composer pour clavecin. Mais un peu plus tard, à la fin de sa vie, il a quand même côtoyé certains instruments qui étaient un peu mieux faits. Et il s'est dit, pourquoi pas, finalement. Mais je pense que le clavecin restait quand même sa priorité dans sa composition. Alors, on va situer ces quatre concertos qu'on va entendre ce soir sur une ligne du temps. On est donc au XVIIIe siècle. Hein, on rappelle, oui. Jean-Sébastien Bach, né en 1685, décédé en 1750. Et il y a donc ces trois concertos. Alors, ça va être un petit peu compliqué pour moi parce que l'ordre a changé. Ah. Cela étant, il y a donc ce soir trois concertos pour clavier, dit-on aujourd'hui, ce qui laisse toute liberté aux interprètes. Il y a des versions pour clavecin, il y a des versions pour orgue positif, il y a des versions pour piano moderne, alors que les applaudissements saluent l'entrée des musiciens de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, un orchestre à cordes hein, ici ce soir, et puis il y aura aussi quelques vents. Alors, ces trois concertos pour clavier donc, de Jean-Sébastien Bach sont les BWV 1060, 1061 et 1062. On va débuter ce soir avec le concerto BWV 1062, mais dans quelques instants, je pense que le directeur général de la chapelle musicale Reine-Elisabeth va faire son entrée, mais ce n'est pas encore tout de suite. Jean-François Chamberlan, le concertmeister, le premier violon de cet orchestre royal de chambre de Wallonie, est en train de donner le la. Et puis les deux pianos, hein, ils sont déjà installés tête bêche. Je le dis pour nos auditeurs de la radio, puisque certaines personnes suivent ce concert en streaming vidéo. Mais donc pour ceux qui nous écoutent en radio, les deux pianos sont placés tête bêche. Alors, on pense que ce premier concerto qu'on va découvrir ce soir, et je dis on pense parce qu'il y a beaucoup de doutes hein, sur des données musicologiques, aurait été composé en 1736. Et puis, ce qui est amusant, Philippe Riga, vous le savez, mais nos auditeurs peut-être pas, c'est que ce BWV 1062 qu'on va entendre est un arrangement pour deux clavecins du concerto pour deux violons qui va clore cette partie. Exactement. Ouais. Il faisait du recyclage, Bach. Beaucoup. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voilà, Bernard Delaunoy. Bienvenue à cette première directeur général de la chapelle musicale Reine-Elisabeth. Pardon. Qui salue les auditeurs. Dames et Herren, van harte welkom op deze prestigieuse. Voilà, j'en profite que Bernard Delaunoy s'exprime en néerlandais pour dire que lors de ce premier concerto pour deux pianos, on aura l'occasion d'entendre Jonathan Fournel et Gheorghe Tchadze au piano. Alors, le temps que je retrouve des petites notes biographiques concernant ces deux jeunes solistes. Alors oui, vous l'entendez ici, le défi et la volonté de ce festival, c'est de se faire rencontrer des duos, de provoquer des duos, bien sûr des duos écrits dans l'histoire. J'en profite qu'on est toujours en néerlandais. Philippe Riga, on va pouvoir vous entendre lors de ce festival. Ce sera vendredi à 18h. 18h15 avec Katharina van Drovenbroek et Hélène Dessins. Voilà, on va rendre la parole à Bernard Delaunoy. Dans quelques semaines, son 60e anniversaire et son directeur musical et chef d'orchestre, Frank Barallet, aussi pianiste ce soir. Nous aurons 8 jeunes solistes en résidence, un maître invité, Jean-Claude Van Den Heijn, qui nous fait le plaisir de remplacer Avo Kouyoumidjian souffrant, et en super guest, Renaud Capuçon, qui vient participer pour la deuxième fois en deux saisons à un concert produit par la chapelle. Merci à tous ces artistes et bien sûr aussi au double concerto de Bach, de Mendelssohn et de Mozart joué lors de ces deux concerts qui se succéderont. Permettez-moi de remercier Gilles Ledur et son équipe pour leur accueil à Flaget pour ces 5 prochains jours. Permettez-moi aussi de saluer la présence de la ministre de la Culture en Fédération Wallonie-Bruxelles, Alda Gréoli, qui vient d'accorder à la chapelle son premier contrat programme dès le 1er janvier 2018, signe de reconnaissance de notre travail de diffusion depuis plusieurs années. Permettez-moi enfin
sur les ondes, sur Musique 3, sur le web et dans la salle, de saluer un public fidèle, de partenaires, de mécènes et de mélomanes toujours plus nombreux. Une petite information sur le programme de ce soir, le concerto 1062 prendra la première place et le 1060 qui devait être joué en ouverture se donnera en troisième position avant le double concerto. Alors, je reprends la parole pour dire qu'en effet, donc, nous entendrons d'abord le plus tardif de ces trois concertos pour clavier, le BWV 1062 avec Giorgi Tchadze au piano, pianiste russe de 29 ans, et Jonathan Fournel, un pianiste français de 24 ans. Tous deux étudient, comme beaucoup de pianistes qu'on entendra ce soir, dans la classe de Louis Lorty, qui est l'artiste en résidence, qui n'est pas l'artiste, pardonnez-moi, qui est le maître en résidence, donc le professeur qui dirige cette classe de piano avec deux prestigieuses personnes à ses côtés, Jean-Claude Van den Heinden, qui est aussi dans cette chaire de piano, et puis également Avo Kouyoumdjian, qui est un pianiste de quelle origine, Philippe Riga? Voilà, peut-être arménien. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la salle du Studio 4 de Flaget est pleine à craquer. Giorgi Tchadze au piano, pianiste russe, et Jonathan Fournel, pianiste français, font leur entrée sur la scène. Les deux pianos se font tête bêche. Voici le concerto en do mineur pour deux pianos BWV 1062 de Jean-Sébastien Bach. Nous sommes en 1736, même si nous sommes en 2017, en direct sur Musique 3, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, est dirigé par Franck Pralet. Thank you.
Nous sommes ce soir en direct de Flaget. Nous venons d'écouter le concerto en do mineur pour deux pianos BWV 1062 de Jean-Sébastien Bach avec aux deux pianos Gyorgy Tchaïdze et Jonathan Fournel et l'orchestre royal de chambre de Wallonie qui était placé et qui est placé ce soir sous la direction de Franck Bralet qui sait de quoi il parle. C'est lui-même un immense pianiste qui a gagné le concours Elisabeth en 1991. Les deux pianistes, Jonathan Fournel et Gyorgy Tchaïdze, saluent le public du Studio 4 de Flaget. Salle pleine à craquer. Philippe Riga, vous êtes notre invité pour cette première partie. Vous êtes pianiste. On va passer au BWV 1060. Alors parmi ces trois concertos, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a qui sont plus connus que d'autres ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'ils sont tous les trois très connus. Mais le problème, c'est que comme Bach a tellement fait de réarrangements de son œuvre, on ne sait plus trop bien ce qui était original et ce qui est refait. Ce qui est refait. Alors voilà, maintenant, on va découvrir le concerto en do majeur. On était en do mineur, on passe en majeur, toujours pour deux pianos. C'est le BWV 1061. Il y aura Jean-Claude Van den Heijden au piano, qui lui n'est pas artiste en résidence à la chapelle Jean-Claude Van den Heijden, peut-être le plus grand pianiste, l'un des plus grands pianistes en Belgique, hein, je pense qu'on peut le dire. C'était mon Philippe professeur Riga, d'ailleurs. Qui était votre maître. Voilà. Et puis il aura à ses côtés Josquin Hotal. Ça va être un sacré contraste. Josquin Hotal, il a 25 ans. On ne donnera pas par pudeur l'âge de Jean-Claude, mais il a quelques décennies de piano sous les doigts. Il a gagné le concours alors qu'il n'avait, je pense, pas plus de 16 ans. C'était en 1964. Alors certains datent ce concerto qu'on va découvrir, le BWV 1061 de 1733. En tout cas, Philippe Riga, on est dans les années 1730 plus ou moins pour ces trois concertos pour clavier. Il a composé tout un peu en même temps. D'ailleurs, c'était un peu à destination familiale parce qu'il jouait avec son fils Carl-Philippe et son autre fils Wilhelm Friedmann. En famille, musique en famille. Voilà. On rappelle à cette époque, il a 45 ans. Il est déjà un homme très connu, Bach. Il est connu, mais il a difficile à gagner sa vie quand même. Et c'est pour ça qu'il faisait des cantates tous les dimanches. Oui. Il avait vraiment du mal à joindre les deux bouts. C'est assez incroyable. Avec le nombre d'enfants qu'il avait. Oui, il a eu 20 enfants tout de même. Hein, c'est quelque chose. Jean-Claude Van den Heijden, professeur en résidence, sera au premier piano, puis au second piano. Josquin Hotal, 25 ans, français, étudié au Conservatoire de Lyon. Puis à Paris avec Anne Kefleck et Denis Pascal. Révélation Adami en 2015, il salue alors que Jean-Claude Van den Heijden, avec une magnifique chevelure argent, est en train d'ajuster son tabouret. Et chacun a un tourneur de page, métier de l'ombre également que celui de tourneur de page, mais ô combien délicat. Voilà, Franck Bralet
tout réjoui. Il adore cette musique de Bach. On voit, il danse pendant qu'il dirige. Voilà, on va découvrir ce BWV 1061 pour deux pianos de Bach, Josquin Antal et Jean-Claude Van den Heinden au piano, avec l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, placé sous la direction de Franck Bralet, en direct sur Musique 3. Thank you.
en direct du Studio 4 de Flagey. Nous venons d'entendre le concerto en do majeur pour deux pianos BWV 1061 de Jean-Sébastien Bach. Concert en direct à l'occasion de l'ouverture du concert d'ouverture du 8e festival de la chapelle musicale Reine-Elisabeth consacré cette année au duo, ici duo de piano, Jean-Claude Van den Heijnen et Josquin Hotal étaient au piano. L'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie était placé sous la direction de Franck Bralet. Alors que Jean-Claude Van den Heijnen et Franck Bralet se congratulent, ils se connaissent bien. Philippe Riga, vous êtes notre invité ce soir, vous êtes pianiste. Alors, concerto très très surprenant, très étonnant, cette cadence où il n'y avait pas d'orchestre dans le deuxième mouvement, c'est quelque chose de normal chez Bach. C'est-à-dire que ce concerto est souvent interprété sans orchestre, aux deux clavecins. Et donc moi je l'ai souvent entendu sans la partie d'orchestre qui est un peu du remplissage pour soutenir les tutti en fait du concerto à l'italienne. Et donc l'orchestre n'est pas vraiment essentiel. Désolé pour l'Orchestre Royal de Wallonie. Non, mais on comprend ce que vous voulez donc dire. Bach ne l'avait pas en tête avec un orchestre fourni. Peut-être qu'il le faisait avec un quatuor simplement. Donc voilà. Alors on va maintenant découvrir le troisième concerto pour clavier de Bach. Il n'en a pas fait davantage. Il a fait beaucoup de concertos, mais pas plus de trois concertos pour clavier. Ici, les claviers sont des pianos modernes, mais on rappelle qu'à l'époque, c'était des clavecins. Nous avons entendu le BWV 1062, à l'instant le 1061, et maintenant ce sera le 1060, composé vers 1730. On dit que ce serait la transcription, et on ne le dit pas, c'est une certitude, c'est la transcription d'un concerto pour hautbois et violon, qui porte le numéro de catalogue BWV 1060R. Vous confirmez? Oui. Voilà, alors c'est aussi ça le génie de Bach, on l'a déjà dit tout à l'heure. Ouais. Quand il avait un bon thème, une bonne chanson, on dirait aujourd'hui, eh bien, il n'hésitait pas à le faire jouer par plein d'instruments différents. Tout à fait. Alors, les deux pianistes qui viennent maintenant, tous les pianistes qu'on entend ce soir, sont artistes en résidence, c'est-à-dire qu'ils sont des étudiants de la chapelle musicale Reine-Elisabeth. Ici, c'est Victoria Vassilenko, une pianiste de 25 ans, elle est bulgare, et Sergei Redkin, 28 ans, pianiste russe. Ils saluent. Tous ces étudiants ont des CV absolument ébouriffants, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Concerto en do mineur pour deux pianos BWV 1060. Victoria Vassilenko et Sergei Redkin au piano. Nous sommes en direct de Flagey. Thank you.
micro. En direct de Flagey au studio 4, vous entendez les bravos incroyablement enthousiastes du public qui est ici massé. Les 800 places, les 800 chaises sont occupées. On écoutait le concerto en do mineur pour deux pianos BWV 1060 de Jean-Sébastien Bach. Les deux pianistes Victoria Vassilenko et Sergei Redkin saluent le public. Et en ce moment, ils applaudissent l'orchestre. C'est toujours beau à voir des solistes qui remercient ceux qui les ont soutenus. Les trois musiciens saluent, je dis les trois parce qu'il y a Franck Bralet qui est aussi musicien ici ce soir, chef d'orchestre. L'orchestre qui est à leur côté ce soir, c'est l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Voilà, on vient d'entendre les trois concertos pour clavier de Jean-Sébastien Bach, je le disais tout à l'heure. Bach n'en a pas écrit davantage. Philippe Riga, vous êtes pianiste, coach à la Chapelle Musicale Reine-Elisabeth et puis aussi chambriste. C'est une musique que vous avez jouée ? Oui, beaucoup, quand j'étais plus jeune. Alors, ce qui est très frappant, Philippe Riga, c'est que ok, on a trois concertos pour deux claviers, mais j'allais dire ça s'arrête presque là parce qu'ils ont tous des personnalités, des caractéristiques très, très différentes. Complètement. On dit que le deuxième qu'on a entendu ce soir, le 1061, c'est le seul qui aurait été vraiment conçu pour ces deux claviers, sinon les autres ont été écrits au départ pour d'autres instruments. Oui, en effet. Et ça s'entend tout de suite avec l'orchestre qui était beaucoup plus fourni d'ailleurs dans le dernier concerto. On sent que c'est beaucoup plus fait pour des instruments différents de la pensée de Bach qui était vraiment concentré sur le clavier, je trouve. C'est beaucoup plus de richesse en fait, je trouve, dans le dernier qu'on a entendu. Alors, à propos de richesse, on a entendu des choses, si on veut faire des analogies avec la musique qu'on entend aujourd'hui dans les films américains, on a eu les nappes de l'époque. Hein. Il y a un moment des cordes qui soutiennent. Oui, oui. Alors, nappe, il n'y a ici rien de péjoratif, mais il est bien clair que c'est une écriture très fournie qui donne une espèce de pâte comme seul Bach peut en concevoir. Avec très peu de moyens, il fait beaucoup. Oui, et je trouve que malgré l'écriture très fournie, il y a une poésie incroyable qui se dégage de cette musique. C'est ce côté très construit, très carré, je trouve, a une portée émotionnelle incroyable. Alors que si c'était joué trop strictement, ce serait raide et c'est tout l'inverse. Non, je pense que c'est intrinsèque à la musique de Bach. Je pense que c'est ça qui est le génie de ce compositeur. C'est ce mélange de rigueur germanique et de, en même temps de sentiment, de cœur en fait, quelque part. De joie. De cœur et de d'exultation en fait, quelque part. Philippe Riga, on va continuer pour ce premier concert. On va terminer avec un quatrième concerto, mais cette fois, ce sera un concerto pour deux violons. Mais à nouveau, on va être dans quelque chose d'assez étrange, puisque c'est la... Alors, je suis en train de me perdre, mais c'est un concerto qui est une transcription. Hein. On a déjà entendu ce soir le thème qu'on va découvrir maintenant. Voilà, Renaud Capuçon sera au violon. Renaud Capuçon, c'est un des grands solistes, un des grands chambristes européen et même mondiaux. Il est né en 1976. À 14 ans, il rentrait au conservatoire. À 17 ans, c'était déjà fini. Ça fait plus de 20 ans qu'on entend sur les scènes. Et immense contraste, comme tout à l'heure, entre Jean-Claude Van den Heijden et Josquin Hotal, qui n'avait que 25 ans. L'autre violoniste s'appelle Alexandra Koroman. Elle a 14 ans. Je vous assure, je n'invente rien. Elle a 14 ans et pourtant, elle a déjà une petite carrière. C'est un vrai prodige que vous avez déjà rencontré, j'imagine. Je ne l'ai jamais accompagnée, mais je la rencontre dans les couloirs, là-bas, dans la chapelle. Voilà, alors, les applaudissements. Salut l'entrée d'Alexandra Koroman, toute rouge vêtue. Et elle est suivie par Renaud Capuçon, violoniste. Ils sont deux violonistes, ils sont donc deux solistes pour ce concerto en ré mineur pour deux violons BWV 1043 de Jean-Sébastien Bach. On a dégagé les pianos, c'est toujours l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Mais il n'y a plus de chef, c'est Renaud Capuçon qui fera le chef d'orchestre. Voici ce double concerto pour violon BWV 1043 de Bach. Nous sommes en direct du studio 4 de Flagey pour le concert d'ouverture du 8e festival.
Thank you.
Le concerto en ré mineur pour deux violons, BWV 1043 de Jean-Sébastien Bach. Vous l'entendez, nous sommes en direct du studio 4 de Flagey à Bruxelles. Au violon, il y avait Alexandra Koroman, 14 ans, et Renaud Capuçon au second violon, ou au premier, c'est comme vous voudrez. Lui, grand soliste confirmé, l'un des plus grands solistes en Europe et presque au monde. Ils étaient tous deux accompagnés par l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Et c'est Renaud Capuçon, de son archet, qui dirigeait ce concerto pour deux violons, BWV 1043. Le public, évidemment, impressionné par la prestation de cette jeune fille de 14 ans seulement, qui a commencé le violon alors qu'elle était encore une enfant. Hein. Elle avait 5 ans et demi, une petite enfant. Et ce sont tous les solistes que l'on a entendus au cours de cette première partie qui se termine, qui viennent saluer. Je vais les citer, donc Alexandra Koroman et Renaud Capuçon. Puis il y avait aussi Gheorghi Tchaïdze et Jonathan Fournel pour le BWV 1062. Jean-Claude Van den Heinden et Josquin Hotal pour le BWV 1061. Et Victoria Vasilenko et Sergei Redkin pour le BWV 1060. Le public qui demande un rappel, il n'y aura pas de rappel, mais c'est sans doute pour marquer
son admiration alors que tous ses solistes reçoivent un superbe bouquet. Et c'est Renaud Capuçon qui est toujours le chef d'orchestre pour les saluts. Et Franck Bralet qui offre son bouquet, c'est une tradition, à la chef de pupitre des seconds violons de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Franck Bralet qui est ce soir chef d'orchestre, mais qui sera dans le deuxième concert, qui sera également en direct, soliste et chef d'orchestre. Voilà les bravos du public du Studio 4 à Bruxelles pour ce premier concert à l'occasion de l'inauguration, donc concert d'ouverture du 8e festival annuel de la Chapelle musicale Reine-Elisabeth, qui chaque année a une thématique, et cette année c'était les duos, ce sont les duos. C'est un festival qui se poursuit jusqu'au 10 décembre, jusqu'à dimanche soir. Philippe Riga, merci de nous avoir rejoints depuis le début de cette soirée. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes pianiste, vous êtes coach à la Chapelle musicale Reine-Elisabeth. Oui. Vous vous dédiez particulièrement à coacher, à aider et à guider les chanteurs. Vous êtes professeur de clavecin à l'Académie de Woluwe-Saint-Lambert, professeur de piano au Conservatoire de Bruxelles, section francophone. Alors, je voudrais tout de suite vous faire rebondir sur ce concerto BWV 1043 qui, si on est attentif, était la même partition, donc le même thème que le premier concerto de la soirée, puisque le premier concerto qu'on a entendu ce soir était une transcription de ce concerto pour violon. Et l'on dit, Philippe Riga, c'est une expression un peu étrange, mais on dit que la musique de Bach est asexuée dans le sens où elle est tellement parfaite et tellement géniale qu'il paraît qu'elle peut être jouée par deux guimbardes et un xylophone, peu importe par quels instruments elle est jouée, tellement intrinsèquement elle est parfaite. Tout à fait. Vous êtes d'accord avec ça ? Tout à fait d'accord, oui. Mais on entend quand même, ce que je trouve extraordinaire, je trouve, dans un concert pareil, c'est que ce sont les mêmes pianos et on entend des sons différents. Alors parlez-nous de ça, parce que c'est vrai que les micros, pour ceux qui nous écoutent à la radio, n'ont pas bougé et on entend des couleurs différentes. On entend des couleurs différentes parce que chaque pianiste a un toucher particulier, une façon d'attaquer les notes qui lui est propre. Et je trouve que ça extraordinaire, c'est le même instrument, mais on entend un autre instrument, finalement, grâce à la personnalité du pianiste. Ça, je trouve ça fascinant, ça m'a toujours fasciné. Et ce qui est d'autant plus fascinant, c'est que pour nos auditeurs qui se diraient « Tiens, tous ces jeunes gens étudient avec Louis Lorty », on pourrait, si on était si on réagissait de manière scientifique, on se dirait « Puisqu'ils ont le même maître, ils auront le même son ». Mais en fait, rappelons, Philippe Riga, que tous ces jeunes gens, fussent-ils jeunes, ont déjà un parcours impressionnant. Oui, ils ont déjà un passé incroyable. D'être à la Chapelle. Oui, tout à fait. Non, je pense que c'est bien qu'ils développent eux-mêmes leur propre sonorité, parce que je trouve que être un artiste, c'est apporter quelque chose de différent par rapport aux autres, je pense. Il y a des pianistes que vous reconnaissez entre mille, vous allumez la radio et vous vous dites « je crois que c'est un tel ». Ben, je vais commencer quand même par Jean-Claude Vandenen, parce que je trouve que quand on entend son, je peux reconnaître sa sonorité. Oui, j'ai Il a été chance, votre professeur. Hein. Voilà, j'ai eu la chance qu'il m'accompagne dans les concertos au conservatoire quand on devait passer notre épreuve. Et tout de suite, immédiatement, il y a un son comme Martha Argerich, c'est la même chose. Il y a un son particulier. C'est difficile à expliquer comme ça en deux minutes. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose qui frappe de premier abord, en tout cas. Évidemment, plus on écoute, plus on se forge l'oreille. Hein. Voilà. Et puis, il me semble, Philippe Riga, qu'il est intéressant de parler de couleurs si on fait des analogies, parce que ça n'a rien d'intellectuel. Hein. C'est vraiment une sensation. Voilà, c'est une sensation. Feeling. Comme quand on regarde un paysage, il y a des couleurs différentes le matin, le soir. Il y a des pianistes différents qui ont des ressentis et des approches très différentes. Philippe Riga, je voudrais profiter que vous soyez là pour qu'on parle du concert que vous donnerez vendredi soir. Oui. Vendredi soir, début de soirée, ce sera à 18h15. Oui. Vous nous parlez un petit peu de ce concert dont on va entendre un extrait après du répertoire de ce concert de vendredi 18h15 au Studio 1. Un trio, et puis je vous laisse expliquer. Voilà, c'est un trio avec Hélène Dessin, violon alto, qui est élève de Miguel da Silva à la Chapelle. Et on a formé avec Katharina van Drogenbroek et elle un trio dans un répertoire un peu spécial qu'on n'entend pas tous les jours, avec ce mélange de la voix de mezzo-soprano et le mélange de violon-alto, plus le piano forcément. Et dans un répertoire pas très très connu, notamment Le Fleur, qui est un compositeur allemand,
absolument méconnue au bataillon. Quelle époque 1910, et qui est passé en France, et il a pris tout ce qu'il pouvait dans le style français, il a pondu, on va dire, des sublimes mélodies sur des textes de Baudelaire et de Verlaine. Et ça vaut vraiment du Ravel, du César Franck, du Debussy. C'est un peu un mélange de plein de couleurs différentes du style français. Mais c'est très, très intéressant, avec les tonalités chaudes, justement, du violon alto et de la voix de mezzo-soprano. Alors, on va en parler dans un instant avec Bernard Delaunoy, qui nous a rejoint, que je vais tout de suite saluer. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur général de la Chapelle musicale Reine-Elisabeth. Hein, la thématique de ce festival, ce sont les duos, mais Philippe Riga, il ne faut pas être étroit dans la conception du duo, puisque vous jouerez en trio vendredi soir, mais on doit voir dans votre projet la notion de duo, si je ne m'abuse, entre, vous le disiez, ce dialogue superbe entre le violon alto et la voix de mezzo-soprano. Oui. Le piano a toujours, dans l'accompagnement, un rôle un peu secondaire, on va dire. Mais vous plaisantez un peu là, parce que oui, tout de même, mais quand, oui et non, parce quand que... on dédie sa vie à l'accompagnement, on ne peut pas dire qu'on a une vie secondaire. Hein. Ah, c'est une vocation. Mais c'est tellement enthousiasmant de voir justement ces solistes qu'on peut accompagner. Enfin, moi, ça me grise en tout cas d'être un peu à l'arrière-plan, et en même temps, si je ne suis pas là, il n'y a rien qui se fait. Mais c'est une drôle de sensation. Quand on parlait de sensation, c'est vraiment ça, c'est une sensation. Alors, toujours dans le domaine de la sensation, j'ai eu la sensation, moi, au concours Reine-Elisabeth 2017, premier concours de violoncelle, d'entendre de la voix tout le temps. Et quand j'entends Hélène Dessin, qui sera l'altiste ce vendredi soir, 18h15, au Studio 1, j'entends aussi quelqu'un qui chante. On peut chanter avec bien d'autres instruments qu'une voix. On peut chanter avec tous les instruments, même avec le piano. Mais je trouve que le violon alto est un peu un instrument qui est un peu mis de côté par rapport au violoncelle ou au violon. Ils ont été vraiment mis à l'honneur depuis une centaine d'années. Mais je trouve que le violon alto a besoin de revenir au devant de la scène en tant que soliste et de faire entendre sa voix. C'est le cas de le dire. Bernard Delaunoy, on va venir à vous dans quelques minutes, mais Philippe Riga, avant de prendre congé, je voudrais qu'on entende justement une des œuvres qui sera jouée dans ce concert, donc vendredi à 18h15 au Studio 1. Eh bien, il y aura entre autres un compositeur dont on n'a pas parlé, c'est Frank Bridge. Hein ? Frank Bridge, compositeur anglais. 19e, 20e, fin la même 19e. Époque, fin 19e, début 20e, et nous avons toute l'Angleterre qui débarque, qui est le tea time. Alors il y a ces méconnus Frank Bridge et Le Flair, et puis il y a des stars au programme de votre concert, c'est Johannes Brahms. Oui. Et on va écouter, et ça c'est un enregistrement public réalisé à la Chapelle musicale Reine-Elisabeth, un enregistrement qui était en direct radio d'ailleurs, avec vous-même au piano, Philippe, Katharina van Drogenbroek, et c'était le maître d'alto de la chapelle, Miguel da Silva, qui était au violon. En effet. Ce vendredi, ce sera Hélène Dessin. On écoute un extrait des Zwei Gesänge de Johannes Brahms, c'est l'opus 91, qu'on entendra donc ce vendredi. Philippe Riga au piano, Katharina van Drogenbroek, mezzo-soprano, et puis Miguel da Silva à l'alto. C'est un programme que vous pouvez entendre, chers auditeurs, vendredi à 18h15 au Studio 1 de Flagey, dans le cadre de ce festival duo, 8e édition du Festival de la Chapelle musicale Reine-Elisabeth, dont on parle dans un instant avec Bernard Delaunoy. Voici la musique de Brahms en trio.
Un extrait des Zweigesang, opus 91 de Johannes Brahms. Alors si je vous demandais pourquoi il y a un pianiste à côté de moi, eh bien c'est parce que nous sommes en direct du studio 4 de Flaget. Alors cette Zweigesang était interprétée par Philippe Riga au piano, qui est là depuis 19h avec nous. Philippe, à vos côtés, il y avait Katharina van Drogenbroek, qui est mezzo-soprano, qui est artiste en résidence à la chapelle musicale Reine-Elisabeth, artiste en résidence auprès de José Van Damme. Et puis il y avait également Miguel da Silva, maître en résidence à la chapelle. Cette musique, on va pouvoir l'entendre ce vendredi à 18h15, mais avec Hélène Dessin à l'alto. Philippe Riga, vous nous rappelez les œuvres qu'on pourra entendre lors de ce concert ? Alors, on pourra entendre les Zweigesang, dont on vient d'entendre un extrait, et Frank Bridge, trois mélodies. Ensuite, il y a l'élégie de Massenet, qui est souvent fait au violoncelle, mais là, on le fait à l'alto. Et Charles Martin Loeffler, qui est ce compositeur allemand qui a vécu aux États-Unis, au fin fond de la province, je ne sais pas où, et qui est passé par Paris et qui a bien fait de passer par Paris pour développer un style très debussiste, on va dire, mais pas que Debussy, c'est un peu un mélange de plein de styles français. Voilà, un des nombreux concerts de ce 8e festival de la chapelle musicale Reine-Elisabeth. Rendez-vous sur le site de la chapelle pour en savoir davantage. Philippe Riga, vous restez avec nous, mais Bernard Delaunois, je me tourne vers vous. Rebonsoir Bernard. Bonsoir Laurent. Directeur général de la chapelle musicale Reine-Elisabeth. Alors, on l'a dit, le thème des duos, ça a commencé fort avec quel duo, quel extraordinaire duo que ces duos initiés par Jean-Sébastien Bach. Je me disais en l'écoutant, Bernard Delaunois, cette musique, elle a trois siècles. Elle a trois siècles. C'est un petit peu incroyable. Elle est encore bien présente. Alors après, bon, il y a tout le discours sur savoir comment il faut l'interpréter. Vous en avez peut-être parlé. Mais je vois là qu'on avait autour de Jean-Claude Van Den Heyne, qui est arrivé un petit peu... je ne vais pas dire comme un cavalier d'Offenbach, mais je l'ai appelé il y a 5-6 jours. Il n'avait jamais joué ce concerto. Ça, ce sont les grands maîtres qui peuvent sauter dans la piscine. Exactement, parce qu'avant que Yumidjan est souffrant, il est resté à Vienne. Donc voilà, ça c'est la qualité d'une personnalité comme Jean-Claude. Mais vous aviez là 5 jeunes pianistes qui sont tous déjà des pianistes très chevronnés, avec beaucoup d'expérience et qui ont chacun exprimé un peu leur personnalité aussi dans ces doubles concertos. On a vu des styles différents, on a vu un petit peu des sensibilités différentes. Ils travaillent tous avec Louis Lorty maintenant, qui adore aussi cette musique, qui aime traverser à travers les siècles aussi, et qui lui d'ailleurs nous demande, ça va faire plaisir à Philippe, qu'on les fasse aussi travailler sur des instruments anciens. Donc à la fois sur des pianofortés, et puis quand on remonte jusqu'à Bach, bien entendu sur d'autres types d'instruments. Donc on va le faire dans l'avenir. Alors ça, c'est un versant important, pardonnez-moi de vous interrompre Bernard, mais un versant important à notre époque pour une maison comme la vôtre, c'est que vous avez un département de musique baroque qui est en train de grandir. Mais alors en quelques années, c'est comme un arbre qui aurait grandi de 50 mètres, parce qu'il y a Giulio Carmignola, Philippe Riga, vous nous dites qui est ce grand maître de la musique ancienne sur instrument d'époque. C'est un fabuleux violoniste, en effet, qui était violoniste moderne, mais qui est passé en fait sur violon ancien, et donc qui a fait toute une recherche sur Vivaldi. Et nous avons le grand plaisir d'avoir son concert vendredi soir à 8h dans le studio 4, où je serai au continuo d'ailleurs. Mais j'ai beaucoup de chance de pouvoir le côtoyer, en effet, parce qu'il a... C'est la deuxième collaboration avec lui, il y en aura d'autres, donc c'est une sorte de guest, un guest master, quelqu'un qu'on va inviter très régulièrement. Et c'est une idée qu'Augustin Dumay nous a suggérée. Mettre en résidence de violon. Voilà, en disant, moi, ce n'est pas mon secteur et il faut absolument qu'on ait des personnalités comme Giuliano pour compléter un petit peu la palette de couleurs et de projets que l'on peut proposer à nos jeunes. Alors certains réagissent plus que d'autres, c'est normal. Et là, on aura d'ailleurs un ensemble avec 12 musiciens qui sont tous dans les sections de violon, d'alto et de violoncelle, plus une contrebasse qui vient de l'extérieur avec laquelle on a déjà travaillé. Et donc cet ensemble travaille pour la deuxième fois. Ils ont eu une première expérience au mois de mars et il y en aura peut-être d'autres. Mais ça veut dire en tout cas qu'il y a un intérêt à la fois pour cette approche et cette rencontre avec Carmignola
Je crois qu'Armiola se plaît bien à la chapelle aussi. C'est l'impression que ça me donne bien, maintenant. Ouais. Il m'a laissé un texto là, il y a quelques minutes en me disant qu'ils avaient travaillé comme des fous aujourd'hui. Je confirme. Tu es bien placé pour le savoir. Donc c'est vrai que c'est une approche baroque dans le sens, c'est l'ouverture au répertoire avec en tout cas des personnalités qui ont fait ce chemin. Je ne vous dis pas que la chapelle demain va être un grand centre de musique ancienne, ce n'est pas ça l'objectif. Ce n'est pas votre vocation. Mais c'est de donner une palette plus large que celle qui se situe du classique au XXe siècle. Et donc peut-être d'aller un petit peu plus loin. Nous sommes maintenant prêts pour le faire. On a eu 10 ans où on a d'abord un peu tout reconstruit, où on a développé le projet tel qu'il existe aujourd'hui. Et c'est maintenant le moment de penser à cela. Donc on est en plein dedans. Et il se fait que non seulement Carmignola est un exemple, mais que Louis me dit « Oh, il faut rencontrer... » Louis Lortie, « Il faut rencontrer Van Immerseel. » Enfin, il faut rencontrer tous ces gens qui, en Belgique aussi, font partie, je dirais, du cœur de ce renouveau de la musique ancienne depuis 30 ans. Donc on va le faire pas à pas, avec des projets très précis, très concrets, mais on va certainement le poursuivre dans les années à venir, oui. Alors Philippe Riga, c'est tout de même un message symbolique très très fort d'engager peut-être une des plus grandes personnalités de la musique ancienne en Europe dans une maison comme la chapelle pour dire à d'éventuels détracteurs, vous savez, nous sommes ancrés dans notre temps de 2017 où on n'envisage plus d'avoir ce qu'on appelle des interprétations historiquement informées. En effet, je pense que les frontières commencent à s'abolir entre la musique dite classique, un peu moderne, on va dire, et la musique ancienne, mais c'est formidable. Vraiment formidable. Alors, vous, on l'a dit, c'est une de vos passions, vous avez plein de passions. Oui. Alors, une passion peut-être qui va faire sourire, mais dont j'aimerais que vous parliez parce que je la trouve extraordinaire, c'est que vous êtes aussi couturier. Expliquez-nous ça. Et couturier pour des spectacles de musique baroque. Oui, en effet, j'ai fondé mon propre ensemble baroque et j'ai fait toute une recherche sur les patrons historiques et j'ai été étudié à Londres dans une école spécialisée. Et là aussi, il y a de la recherche dans les costumes d'époque. Voilà, c'était des gens qui s'occupaient du Globe Theatre, donc le théâtre où ils font les pièces de Shakespeare en plein air, donc le théâtre qu'ils ont reconstruit au bord de la Tamise. Et c'est toute une équipe de spécialistes incroyables qui ont fait une recherche historique fabuleuse. Alors je vois près de nous, on ne le voit pas à l'image pour ceux qui nous suivent en streaming, Jean-Claude Van den Heinden, Bernard Delaunoy, avant qu'on prenne congé de vous, vous nous donnez quelques grands repères pour ce festival qui se poursuit jusqu'à dimanche soir, quelques grands rendez-vous à ne pas manquer. Mais pour ceux qui voudraient rendre. Pour montrer justement cette palette dont on parlait il y a un instant et cette variété de programmes que l'on propose aussi à travers l'institution qu'est la chapelle, avec ses forces. Ses forces, c'est de pouvoir quand même avoir en 5 jours plus de 50 artistes. On a deux orchestres symphoniques, 3 ensembles de musique de chambre, des chœurs, etc. Mais surtout énormément de jeunes et d'artistes de grande renommée qui les encadrent, qui sont autour d'eux. Et on va voyager de Bach, de Vivaldi jusqu'à Brahms et même voilà, dimanche avec le concert de clôture dans lequel 2 maîtres feront partie de ce programme avec le Quatuor Jérusalem, le Sexteur de Dvorak. Pour moi, évidemment, les grands moments, c'est certainement la soirée de samedi soir avec le Brussels Philharmonique, puisqu'on va donner à la fois le double concerto de Brahms avec Augustin Dumay et Christine Lee, qui est lauréate du concours en Elisabeth, qui travaille avec Gary Hoffmann depuis maintenant 2 ans et demi, et le Requiem, le Deutsches Requiem, le Requiem allemand, avec 2 magnifiques voix qui sont pour l'instant chez nous, Julia Sproch et Léon Kosavitch. Et je crois que ça va être un moment d'exception. Mais je pense aussi que la soirée du vendredi soir, qui est cette soirée Vivaldi, où on va voyager à travers des doubles concertos et les 4 saisons, quand Carmignola est là, on ne peut quand même pas ne pas donner les 4 saisons à Flaget. Grand spécialiste de Vivaldi. Voilà, pour son premier grand concert à Flaget. Mais il y aura 4 doubles concertos, des doubles et même des quadruples, parce qu'il y en a un il y a un concerto pour 2 violoncelles et 2 violons. 2 violons. Avec l'ensemble. Donc c'est un ensemble qui est très vivant, où tous ces jeunes se connaissent. Et c'est une formation en plus pour laquelle Carmignola a énormément de sympathie parce qu'elle est très dynamique. Donc c'est certainement un concert. Alors on a parlé du concert dans lequel Philippe est impliqué quelques heures avant. Il a une journée très chargée vendredi.
On a un très joli spectacle pour les enfants avec un spectacle sur Maurice Ravel qui se déroulera samedi après-midi. On est coproducteur du spectacle Viva avec Pietro Peduzzi, qui est donc cette production qui a été montée par la ferme du Biérot sur Vivaldi aussi, qui a lieu le samedi matin. Et je voudrais quand même, voilà, c'est un coup de cœur, mais je suis très attaché aussi à ce projet. C'est la chorale de Singing Molenbeek qui sera là dimanche matin à 11h. Avec Zeno Popescu, qui en est le chef de chœur, mais aussi autour de lui, Lorenzo Gatto, Julien Libert, l'ensemble de Roby Lakatos. Ça va être une très belle fête, je crois, autour de ce projet aussi, qui a évidemment une connotation sociale. Philippe Riga et Bernard Delaunoy, j'aimerais vous remercier chaleureusement d'être venus à nos micros. On rappelle, pour davantage d'informations, le site www.musicchapel.org. C'est bien juste, Bernard Delaunoy. Tout à fait. Et j'ai quand même oublié l'opéra, l'orchestre de l'opéra de Wallonie, qui sera là demain soir sur la scène de Flagey, je crois, pour la première fois depuis très longtemps. Voilà. Merci beaucoup Bernard Delaunoy. Merci Laurent. Philippe Riga, pianiste. Alors nous sommes en direct de Flagey, on accorde les pianos. La soirée n'est pas du tout terminée puisqu'on a un deuxième concert dans une quarantaine de minutes. On entendra un concerto de jeunesse de Mendelssohn, concerto rare dont on va parler avec Augustin Dumay et Jean-Claude Vandenheyn. C'est le concerto en ré mineur pour violon et piano, composé alors que Mendelssohn n'avait que 14 ans. Et puis le seul, l'unique concerto pour deux pianos de Mozart, c'est son 10e concerto pour piano. On l'entend quasiment jamais. C'est vraiment une très belle occasion. Le Köchel 365. Ça, ce sera pour tout à l'heure. Nathanaël Gouin, Naré Argamanian. Et puis pour Mendelssohn, Renaud Capuçon et Franck Bralé. Deux vieux copains qui vont faire de la musique ensemble. On va écouter Jean-Claude Vandenheyn et puis on va l'accueillir juste après. Jean-Claude Vandenheyn, de Bernard Delaunoy, il est visionnaire. Il a fait un disque en duo avec Eliane Reyes l'an dernier. Et c'est un disque magnifique, vous le disiez, avec les couleurs de Jean-Claude Vandenheyn et les couleurs d'Eliane Reyes qui se marient magnifiquement. Nous, on va écouter la musique de Woldemar Barguel, un compositeur du 19e. On écoute le tout début de sa sonate pour deux pianos. Jean-Claude Vandenheyn et Eliane Reyes. Nous sommes en direct de Flagey ce soir.
La musique de Woldemar Barguel, interprétée par Jean-Claude Van den Heyden et Eliane Reyes au piano pluriel, hein, c'est du deux pianos, ce n'est pas du quatre mains. Jean-Claude Van den Heyden, précisément, nous a rejoint ce soir. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Et puis, une autre grande figure de la musique en Belgique, en Europe et dans le monde, c'est Augustin Dumay. Bonsoir c'est Augustin. C'est un plaisir d'être avec vous. C'est le festival duo, donc nous sommes venus, Jean-Claude et moi, en duo. Oui, voilà. vous êtes raccord. Hein. Je vais juste vous demander un petit peu rapprocher votre micro, Augustin Dumay. Alors, pour le public belge, Augustin Dumay, je crois que vous êtes aussi connu que Jean-Claude Van den Heyden, parce qu'il y a beaucoup d'années. Il y a beaucoup d'années, en tout cas, que vous êtes lié à la Belgique. Vous avez simultanément eu deux activités très importantes. L'une que vous avez toujours, c'est d'être maître en résidence à la chapelle musicale Reine-Elisabeth. Pour les distraits, je rappelle que vous êtes violoniste. Et puis, vous avez aussi redonné de sacrées couleurs à l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, qui est ici à l'honneur toute cette soirée. Vous l'avez dirigé avant Franck Bralet. Et je suis très heureux que mon ami Franck ait repris ce flambeau qui en vaut vraiment la peine. Et il le fait avec talent, avec conviction, avec autorité et avec le sens musical qu'on lui connaît. Donc je suis rassuré, l'orchestre est dans des mains magnifiques. Jean-Claude Van den Heyden, quelque chose que le public sait un petit peu moins. On sait beaucoup de choses de vous, mais on ne sait pas très bien que vous êtes très impliqué à la chapelle musicale Reine-Elisabeth. Oui. Il y a bien sûr Louis Lorty qui conduit cette classe, ce mot est un peu triste, mais ce groupe de grands pianistes. Mais il est épaulé par Avo Kouyoumdjian, pardonnez-moi, qui est souffrant. Et vous-même, alors quelle est votre place, vous, Jean-Claude, dans ce trio de grands pianistes, trois grands pianistes? Oui, écoutez, au début, j'avais surtout la fonction de préparer les concertos, c'est-à-dire de préparer les élèves pour la première répétition, certains n'ayant jamais joué tel concerto avec orchestre. Donc c'était l'occasion de le faire à deux pianos. Nous le travaillons ensemble et puis nous avions des petites sessions de concert. On les préparait aux pièges qui peuvent se présenter aux premières répétitions avec orchestre. Et puis, au fil du temps, la chapelle m'a demandé tout de même de participer à d'autres activités, notamment des activités de musique de chambre avec des élèves violonistes. En réalité, je vais vous dire tout, je vais vous dire la vérité, on ne peut pas se passer de lui. Parce que quand il est dans la maison, Jean-Claude a tellement de multi-talents, il est capable de faire tellement de belles choses dans tous les domaines de la musique qu'il était inévitable qu'on le kidnappe. Et puis, vous ne croyez pas si bien dire, Augustin, Bernard Delaunoy, directeur général de la chapelle, l'évoquait. Il y a 6 jours d'ici, vous ne saviez pas encore que vous alliez jouer le concerto BWV 1061, le deuxième concerto qu'on a entendu ce soir. Oui. Parce que malheureusement, Avo était souffrant, votre collègue. Et Vlan, vous avez sauté dans le bus Jean-Sébastien Bach, le bus 1061. Oui. Vous l'avez conduit comme un pilote. Genre. Oui, écoutez, c'était d'autant plus que je ne l'avais jamais joué, ce concerto. J'ai beaucoup joué, j'ai un répertoire assez vaste, mais celui-là, je ne le connaissais pas. Alors, quand j'ai découvert, je me dis, tiens, oui, ce sera certainement possible en quelques jours. Et puis, j'ai vu le début du troisième mouvement, la fugue, qui est particulièrement délicate pour le piano. Donc là, ça m'a demandé un effort tout particulier. Mais je suis très heureux d'avoir pu le faire et d'avoir pu garder le programme qui était annoncé ce soir. Trois concertos pour deux claviers de Bach qui ont tous des caractères très différents. On peut rappeler que celui que vous avez joué est probablement le seul qui ait été écrit à l'origine pour le clavecin. D'autres sont des transcriptions. Bach faisait beaucoup des transcriptions, mais ses thèmes étaient toujours tiré au cordeau, complètement parfait, Jean-Claude. Oui, écoutez, on ne se lasse pas de la musique de Bach. Je crois que j'ai beaucoup écouté Schubert, j'ai beaucoup écouté Mozart, j'ai beaucoup écouté Bach, et je crois que des trois, celui dont je ne me lasse jamais, même en écoutant une œuvre très souvent, c'est Bach. Augustin Dumay, violoniste, vous avez beaucoup joué la musique de Bach dans votre carrière ? Non, justement, j'étais en train d'y penser. Moi, j'ai vécu une période où, au fond, l'accès à Bach était d'une certaine façon réservé aux musiciens dits baroques. C'était un peu verrouillé. Il y a eu, non pas verrouillé par eux, mais il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre d'artistes classiques et romantiques qu'il y avait un travail tout à fait particulier à faire
avec la musique de Bach. Ça, c'est vrai beaucoup dans le rapport à l'archet, dans le rapport au son, au vibrato, au non-vibrato. Donc, il y avait tout un chemin qui avait été fait par quelques musiciens à cordes et qui n'avait pas été fait même par d'immenses violonistes du passé. Donc, il y a eu une espèce de pudeur. Il y a eu, on peut dire, à peu près une vingtaine d'années pendant lesquelles très peu des grands violonistes ont joué Bach. Et en ce moment, je dois voir avec plaisir que c'est en train d'évoluer et que ce travail a sans doute fait, cette assimilation d'un certain nombre de choses a été faite et que les grands violonistes reviennent à Bach aujourd'hui. Et je vois avec plaisir un certain nombre de mes collègues qui ont enregistré les sonates et partitas, les concerti, etc. Et je dois dire que j'ai moi aussi très envie maintenant de faire un enregistrement des sonates et partitas. Donc pour violon seul, hein, oui, de Jean-Sébastien absolument. Bach. Alors vous, j'imagine que vous avez écouté avec une attention toute particulière le quatrième concerto de ce soir, qui était ce BWV 1043 hein, pour deux violons qui, il faut le dire, a été arrangé ce soir. Encore une fois, hein, le premier concerto de ce soir, c'était un arrangement pour deux claviers de ce concerto pour deux violons. Donc pour nos éditeurs, soyons clairs, les mêmes thèmes, mais avec d'autres instruments. Dites-moi, Augustin Dumais, jouer du violon comme cette jeune Alexandra Koroman à 14 ans, avec un tel son, avec une telle conduite sémantique, c'est remarquable. Elle est extrêmement douée, elle a quelque chose à raconter, parce que je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes violonistes qui jouent merveilleusement. On n'a qu'à voir dans tous les concours internationaux qu'il y a un nombre incroyable de violonistes qui jouent sur le plan technique, même mieux que la génération d'avant, mais il y a très peu de musiciens qui ont... aussi jeune que ça, quelque chose à dire, qui ont cette histoire à raconter, parce qu'au fond, quand on va au concert, c'est ça qu'on vient chercher. Elle fait partie de ces jeunes musiciens, donc c'est un vrai plaisir pour moi de la faire travailler, d'être dans ce beau compagnonnage. Jean-Claude Van den Heijden, vous aussi, vous avez commencé votre carrière très très jeune. On parle de choses à raconter, c'est complètement essentiel dans la vie d'un musicien. Mais est-ce que, j'imagine que vous, après toutes ces années de vie, je ne vais même pas parler de la musique, de la vie, du temps qui passe, est-ce qu'on n'a pas, par la force du temps et dans le sens positif, beaucoup plus de choses à raconter à vos âges, vous êtes des contemporains, Augustin Dumais et vous-même, beaucoup plus de choses à raconter grâce à la vie qu'on a eue. Oui, bien sûr, ce sont des choses différentes. Hein, et bien sûr que la vie nous apporte ses joies et ses peines et que ça permet, à l'instinct artistique d'évoluer. Ça nourrit. Mais en même temps, je crois qu'on a quelque chose de tellement pur à raconter quand on a 14 ans ou 15 ans, que parfois, après, on est à la recherche de cette pureté pendant pas mal d'années. Parce forme de fraîcheur aussi. Forme de fraîcheur. Et en tout cas, en ce qui me concerne, quand je travaille avec les jeunes musiciens de la chapelle... Et vous le faites beaucoup. Je le fais beaucoup et j'ai vraiment un plaisir fou à retrouver une fraîcheur de pensée, même une fraîcheur artistique avec ces jeunes musiciens. De quoi parle-t-on vraiment quand on parle de quelque chose à raconter ? En réalité, on est en train de parler de l'imagination. Et l'imagination, vous avez des enfants qui ont une imagination extraordinaire. Vous avez des adolescents qui ont une grande imagination. Ensuite, la culture... La maturité vous apporte des qualités d'un autre âge, bien entendu. Mais cette imagination, elle est préexistante ou elle n'existe jamais, malgré la culture et l'évolution. En fait, c'est un don. Je crois la capacité d'imagination est un don naturel qui se développe après, mais qu'on n'apprend pas, on l'a ou on ne l'a pas. Comme disait Pablo Casals, il disait la musique, le texte, c'est un arbre. Et ce qui est intéressant, c'est la forêt. Donc, il y a des enfants qui, tout de suite, s'intéressent à la forêt plus qu'à l'arbre. Augustin Dumais, Jean-Claude Van den Heijden, peut-être que certains auditeurs se seront posé la question que je me posais hier. Entre Jean-Claude Van den Heijden et Augustin Dumais, ont-ils joué sur scène ensemble? Grâce à Internet, grâce aux bases de données, c'est devenu très facile. Et vous avez peut-être joué de nombreuses fois. Mais j'ai retrouvé une très, très belle archive du festival de Stavelot. Vous me dites qu'il y a une vingtaine d'années. Oui.
Oui, on a rejoué ensemble depuis. On a rejoué ensemble depuis. On a joué au Canada, à Ottawa, il y a un peu plus d'un an, avec grand plaisir, et on recommencera. Mais nous, ce qu'on va entendre, donc, c'est une archive du Festival de Stavelot d'il y a une vingtaine d'années. C'est la musique de Chausson, et une œuvre rare hein, aussi pour les instruments qu'elle met en scène. C'est le concert en ré majeur de Chausson, une œuvre pour quatuor à cordes, violon solo et piano. Et il y a une vingtaine d'années, à vos côtés, il y avait le quatuor Isaïe. Et puis vous deux, Jean-Claude Van Donen au piano et Augustin Dumay. On écoute le mouvement lent qui est... La Sicilienne. Merci. Et il y a notre collègue Miguel da Silva qui jouait aussi dans le quatuor Isaïe. Merci de rappeler son nom. Voilà, on vous écoute dans le mouvement lent, la Sicilienne, de ce concert en ré majeur de Chausson. Augustin Dumay, merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous. Jean-Claude Van Donen, merci aussi à vous. On vous écoute à Stavelot il y a une vingtaine d'années.
un extrait de la Sicilienne d'Ernest Chausson enregistré à Stavelot il y a une vingtaine d'années, alors qu'on avait un petit problème technique qui faisait qu'on réentendait. Mais c'est vrai que c'est gai de l'entendre deux fois, cette Sicilienne, mais pas au point d'entendre l'intégralité. Jean-Claude Van den Heinden était au piano, Augustin Dumay au violon. Et puis il y avait le Quatuor Isaïe à ses côtés. C'est un enregistrement public donc, qui a été réalisé au Festival de Stavelot. Jean-Claude Van den Heinden, vous êtes toujours avec nous. Vous vous souvenez de ce moment au concours, au festival de Stavelot. Oui, ben c'était un grand moment. D'abord, c'était la première fois que je jouais avec Augustin. C'était notre premier concert ensemble. Et en plus, le concert de Chausson, que lui jouait déjà depuis je ne sais pas combien d'années. Et moi, c'est la première fois que je jouais le concert de Chausson. Donc, j'étais très impressionné et en même temps admiratif parce qu'il joue ça comme il respire. Donc, il nous a guidés à travers le travail. Et le Quatuor Isaïe qui venait de sortir du concours d'Évian. Donc, il venait d'être couronné le fameux concours d'Évian. Oui. Quatuor Isaïe qui, malheureusement, n'existe plus aujourd'hui. Plus, hélas. Non. Jean-Claude Van den Heinden, vous aviez encore une information importante à nous communiquer. Je disais que j'ai commencé à la chapelle et puis ça a un petit peu évolué. Et maintenant, la chapelle m'a confié une section de la musique de chambre interdisciplinaire, c'est-à-dire de faire appel à des violoncellistes, des violonistes, des pianistes ou des chanteurs, mais pas à des groupes qui sont formés, et essayer de monter avec eux un certain nombre d'œuvres ou de programmes. Et je dois dire que c'est passionnant parce que ça me permet d'une part, bien sûr, de programmer ou de proposer des œuvres qui sont très connues du répertoire, mais également de faire découvrir peut-être à ces jeunes et au public des œuvres de musique de chambre moins jouées. Vous parliez du concert de Chausson qui commence tout de même maintenant à être un peu plus connu, mais il y a des œuvres, des quintettes à clavier qu'on connaît très très mal et qui sont de véritables chefs-d'œuvre. Donc ça montre bien que la chapelle est en laboratoire permanent, si je puis dire, au niveau de la musique de chambre. Je vous interromps parce qu'on n'est plus à l'antenne depuis 2 minutes. Ah. Voilà, alors j'essaie de m'y retrouver, mais c'est le direct, hein, Jean-Claude Van den Heinden. On vient d'écouter la Sicilienne d'Ernest Chausson. Alors pour ceux qui nous suivaient en streaming, toutes nos excuses, mais donc on parlait de ce projet de musique de chambre qu'on vous a confié. Oui. Vous auriez la gentillesse de nous réexposer ce projet. En fait, c'est la musique de chambre interdisciplinaire. Donc elle réunit des jeunes musiciens, violoncellistes, violonistes, pianistes, mais pas qu'ils sont formés en trio ou en quatuor. Et donc ça me permet de proposer des programmes avec des œuvres, bien sûr, du grand répertoire, mais aussi des œuvres beaucoup moins connues, pour les faire d'une part découvrir à ces jeunes musiciens et d'autre part peut-être les faire découvrir également au public. C'est tout à fait passionnant parce qu'il faut bien dire que la musique de chambre a une place extrêmement importante dans le développement. Moi, j'ai fait beaucoup de musique de chambre et vous voyez, quand on joue un concerto de Mozart ou un concerto de Bach, on s'intéresse très fort à ce qui se passe dans l'orchestre quand on a fait beaucoup de musique de chambre. Jean-Claude Van den Heinden, merci beaucoup. C'était un grand plaisir de vous entendre dans la musique de Bach. Ce n'est pas tous les jours qu'on vous entend dans Bach. On vous connaît comme chambriste surtout. Et là, c'était vraiment un grand plaisir. Dans ce concerto avec cette cadence, vous étiez complètement en apesanteur. Il n'y avait plus que vous au monde. Et votre collègue, votre collègue qui est à nos côtés, qui nous a rejoint. Je vais vous demander de prendre votre micro, le micro numéro 3, comme ça on saura tout. Josquin Hotal, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Quand on a votre âge, c'est-à-dire moins de 30 ans, qu'on joue avec Jean-Claude Van den Heinden, on se dit quelques jours à l'avance, espérons que je vais être que bon. Je sois à la hauteur. Alors en effet, c'est parce que c'était un véritable plaisir de jouer avec lui, mais surtout un grand honneur. Je connaissais pas. Plaisir tout à fait partagé. Et je dois dire que j'étais très, très heureux de faire ce concerto de Bach qui s'est fait un peu rapidement, étant donné les circonstances. Et dès la première répétition, voilà, je pense que j'ai eu ce vent de fraîcheur dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que Josquin avait certaines idées, etc. Et donc on a échangé directement. Oui, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. Voilà, donc c'était très passionnant comme travail. Oui. Josquin Hotal, est-ce qu'il y a, comme dans les quatuors à cordes, une première partie, une seconde partie, comme un premier, un deuxième violon dans ses œuvres pour deux pianos, ou bien ça s'échange constamment? Assez égal en termes de partie, parce que c'est d'ailleurs ce concerto-là, c'est un concerto qu'il a écrit
on se demande même si c'est lui qui a écrit l'orchestre, qui c'est vraiment un concerto pour clavier, oui. Avec un S. Donc, et donc il y a une partie vraiment assez égale, avec énormément d'échanges, de dialogues. Et voilà. Alors, on dit que c'est le seul qui a été vraiment écrit pour clavier. On le sent parce que l'orchestre, on a l'impression... Il fait les cadences, il soutient parfois. Mais sinon, par exemple, ce deuxième mouvement complètement magique et sans l'orchestre. Sans l'orchestre, oui. Tout le début du troisième aussi. On le joue d'ailleurs parfois sans orchestre, ce concerto. Assez souvent, oui. Josquin, quelques repères. Vous avez 25 ans, vous êtes français, vous avez étudié au Conservatoire de Lyon, puis au Conservatoire de Paris, le Saint des Saints, hein, pas n'importe quel Conservatoire de Paris, le National Supérieur. Exactement. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il faut dire, rien que de rentrer dans ces institutions, c'est pas rien. Vous avez travaillé avec Anne Kefelec et Denis Pascal. Alors, ce qui vous réunit, tous les solistes qu'on a entendus ce soir, tous les artistes en résidence, c'est qu'en fait, vous avez déjà des carrières qui, suivant vos âges, ont déjà démarré. Exactement, suivant les personnes et suivant tous les pianistes qui ont partagé la scène ce soir, on a différents... différentes carrières avancées en fonction de chaque personne, mais en général, il y a une certaine habitude déjà de la scène. Après, ce n'est pas comme si je jouais tous les jours ou toutes les semaines, mais la scène est quelque chose qui commence à devenir familier et qui d'ailleurs, grâce à la chapelle, le devient de plus en plus, car on joue aussi avec mon ami Elia au violoncelle la sonate de Chopin et la sonate de Grieg le 8. À Flagey au studio 1. Voilà. Alors, on va accueillir un autre pianiste qui est Jonathan Fournel. On va faire une petite chorégraphie comme on en a le secret pour les concerts en direct. Jean-Claude, encore merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et on va céder le micro à Jonathan Fournel. Voilà, ça, c'est le plaisir du direct. Voilà, on fait une vraie chorégraphie. Et cette chorégraphie n'est pas terminée puisque Jonathan Fournel va passer derrière moi. Je vous en prie, Jonathan. Alors, Jonathan. Voilà, va s'asseoir et va prendre le micro numéro 2. Bon, bonsoir Jonathan. Bonsoir. Alors vous avez joué le premier concerto de la soirée, le BWV 1062. C'est bien ça. Avec Gheorghe Tchaïdze, concerto qui est un arrangement, une transcription en fait du concerto pour deux violons qu'on a entendu. Oui, en fait c'est exactement le même concerto, sauf que c'est une tonalité différente. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est pas quelqu'un d'autre qui a fait la transcription, c'est Jean-Sébastien Bach qui l'a fait lui-même. Mais c'est vrai qu'il y a quelques changements, quelques petits endroits qui sont un peu différents, mais sinon le concerto reste le même. Et en même temps, des caractères dus aux instruments complètement différents, au point qu'il faut être attentif pour savoir que c'est la même partition. Ben, c'est vrai que automatiquement la sonorité, la projection, tout ça, c'est complètement différent. Et en plus, quand on a l'habitude, enfin, je connaissais pas ce concerto pour deux pianos jusqu'à il y a quelques années. Et auparavant, je ne l'avais entendu qu'au violon. Donc après, quand j'avais découvert ça, je me suis dit mais c'est bizarre, quoi. Mais pourquoi il joue la même chose qu'au violon, ou puis on peut dire aussi l'inverse, pourquoi les violonistes jouent la même chose qu'au piano. Mais c'est vrai que en fait, c'est quand même une autre approche. C'est la même musique, mais c'est une autre approche. C'est un autre caractère. C'est à la fois la même chose et à la fois différent. Alors, quelques repères pour vous, hein, un repère biographique. Vous avez 24 ans, vous êtes à la chapelle depuis 2016, hein, depuis septembre 2016. Vous avez étudié au Conservatoire de Strasbourg, puis à la Musikhochschule de Saarbrück. Et puis également, comme Josquin Hotal qui est à vos côtés ce soir au Conservatoire de Paris, peut-être pas avec les mêmes maîtres, vous avec Bruno Rigouteau, Claire Désert, Michel D'Alberto. Vous connaissez du Conservatoire de Paris, Josquin? Oui, en fait, bien ça fait, ouais. Ça fait un bon moment. Ouais. Qu'on se... D'ailleurs, Bruno Rigouteau, j'ai aussi eu la chance de travailler avec lui, donc on avait, quand on s'est rencontré, on s'est croisés de très nombreuses fois. Alors, expliquez-moi quand même quelque chose qui est un mystère. Quand on voit un mystère pour moi, c'est pour ça que je vous pose la question. Quand on voit les biographies, les curriculum vitae de vos collègues ici dans cette chaire de piano de la Chapelle musicale Reine Elisabeth, on se dit, mais pourquoi est-ce que ces jeunes gens ont encore besoin d'étudier? Ils sont déjà sur scène, ils ont enregistré des disques, ils sont déjà reconnus par leur père, mais aussi par le public. Qu'est-ce qui vous attire? Vous êtes quand même une sacrée bande, là, une dizaine de grands pianistes déjà. Qu'est-ce qui vous attire à cette chapelle? Pourquoi est-ce que la chapelle attire tant de grands musiciens? Ben en fait, la chapelle, c'est vraiment une institution qui nous attire beaucoup, parce que ça nous permet aussi de nous connaître et puis finalement de jouer tous ensemble. On n'aurait pas forcément fait ce genre de soirée comme aujourd'hui.
avec que ce soit avec Georgi, avec Victoria, Sergueï. Enfin, on se serait peut-être rencontrés beaucoup plus tard. Et en fait, c'est super amusant de pouvoir être ensemble, pouvoir vivre tous ensemble à la chapelle, pouvoir nous connaître et puis pouvoir aussi jouer et avoir l'occasion de se présenter devant des maîtres comme Augustin Dumay, Louis Lortie, et pouvoir recevoir encore leurs conseils, parce que finalement, on n'a jamais fini. Le CNSM n'est pas une fin, en fait. On continue à étudier jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on meure. Et puis, ce qui est aussi différent, en fait, à la chapelle, c'est cette possibilité de nous offrir des concerts. Vous jouez beaucoup, hein, jouer sur beaucoup, scène. Des concerts, des... musique de chambre, enfin, il y a vraiment énormément de possibilités et aussi ça, en fait, ça nous attire parce qu'on se dit, oui, peut-être qu'on a déjà d'autres concerts, mais là, ça nous ouvre aussi d'autres portes. On découvre des nouvelles personnes et puis peut-être que ça peut aussi nous aider pour la suite. Voilà. Alors, j'aimerais, Josquin, que vous nous expliquiez comment on travaille ce type de concerto. Chacun, quand même, choisit sa partie. On a Alors, dit qu'il n'y a pas de première et de seconde partie. De toute façon, rien n'est imposé réellement. On est... Je vous demandais de rapprocher un tout petit peu votre micro. Rien n'est vraiment imposé. Et ce qui concerne le travail dans la musique de Bach, c'est un travail sans limite. On était avec Jean-Claude pour la première répétition et on se disait tous les deux, c'est vrai qu'il y avait une ligne qui pouvait nous donner, entre guillemets, le tournis par le nombre de possibilités musicales qu'on pouvait faire. C'est pour ça que là, c'est la première fois que je le joue, j'espère pas la dernière, parce que je l'ai découvert par ce projet et je l'adore. C'est un des concertos très lumineux comme ça. Mais c'est évident que ce ne sera pas la dernière fois, puisque de toute manière... Et d'ailleurs, on le joue avec Jonathan. On va le jouer ensemble, justement, à Abu Dhabi l'année prochaine. C'est vrai. Donc, ce n'est pas fini. Sauf que cette fois, c'est moi qui ai besoin de l'apprendre. Alors, ça, c'est pour Bach. Et quand on travaille avec quelqu'un comme Louis Lortie, j'imagine qu'il y a longtemps qu'on ne parle plus de technique, qu'on ne parle que d'intention musicale, ou c'est quand même un peu plus délicat. C'est une bonne question, parce que moi, je pense que les deux sont liés. Et qu'on a tendance à se dire que c'est le fait de parler que technique ou que de musique, je pense que ça rend la chose un petit peu plus crue, plus simple. Et alors que je pense que d'allier vraiment les deux à chaque fois, c'est quelque chose d'important. Et c'est ce que font Avedisku Yumedjan, qui est le professeur aussi avec Louis Lortie, font très bien. Et donc c'est un vrai plaisir de travailler avec ces deux grands musiciens. Mm-hmm. Parce que je pense qu'il n'y en a aucun qui parle que de technique ou que de musique. Alors, je ne sais pas vous, comment... est-ce que c'est Louis Lortie qui vous a fait venir, Jonathan Fournel, à la chapelle, par exemple, En fait, la décision de partir à la chapelle, c'est une multitude de choses. Déjà, après avoir fini le CNSA, je me suis dit... Ah ouais, c'est déjà fini, quoi. C'est passé tellement vite. Je me suis dit, ouais, non, mais en fait, j'ai quand même envie de continuer d'aller ailleurs. Et puis, j'ai appris que Louis Lortie était nommé, justement, cette année-là, à la chapelle. Et je me suis dit, tiens, mais c'est génial, en fait. Déjà, le cercle de la chapelle est déjà super intéressant. Et en plus, pouvoir faire ça avec Louis Lortie et Avedisku Yumedjan, je me suis dit, allez, on va tenter et puis on verra bien. Alors, on entend la sonnette qui retentit. Dans quelques minutes, ça va être le deuxième concert. Josquin Antal, je voudrais vous remercier beaucoup, ainsi que Jonathan Fournel, d'être venu à nos côtés. Vous êtes tous deux pianistes, artistes en résidence à la chapelle musicale Reine-Elisabeth auprès de Louis Lortie avec Avedisku Yumedjan et puis également Jean-Claude Van Den Ende. Belle vie, belle route musicale à tous Merci, les deux. Merci, c'est gentil. Merci. Et nous, on va accueillir Tatiana Samuil dans quelques instants. Merci à vous. On va accueillir Tatiana Samuil donc dans quelques instants, mais on va d'abord écouter Nathanaël Gouin, qu'on entendra dans ce deuxième concert, dans le concerto pour deux pianos de Mozart. Mais nous, on va l'entendre dans son dernier disque consacré à la musique de Franz Liszt. C'est un extrait des harmonies poétiques et religieuses donc de Franz Liszt avec Nathanaël Gouin.
Voilà un extrait, un court extrait des harmonies poétiques et religieuses de Franz Liszt. C'est le dernier disque de Nathanaël Gouin, pianiste français né en 1988, qu'on va accueillir en seconde partie de ce deuxième concert pour ce soir qui va débuter dans quelques instants. Mais on accueille surtout une prestigieuse violoniste. Bonsoir Tatiana Samouil. Bonsoir. Alors, tous ceux qui aiment, je rappelle que vous êtes au micro numéro 2. Alors, Tatiana, tous ceux qui aiment le violon vous connaissent, hein, je pense, surtout. C'est une exagération. On vous connaît comme chambriste. En tout cas, moi, je vous connais du quatuor Malibran, mais aussi oui. de toute la musique de chambre que vous avez pu faire avec Plamena Mangova, avec Yelena Lankova, j'hésite oui. sur son nom. Vous avez enregistré, entre autres, Prokofiev. Mais vous êtes ici surtout parce que vous êtes lié de très près à la chapelle musicale Reine-Elisabeth, puisque vous travaillez avec Augustin Dumais dans la chaire de violon. C'est bien juste ? C'est bien juste. Il y a 12 ans déjà. Je vous demandais de rapprocher un petit peu votre micro. Comme ça ? Parfait. Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui vous a conduit à cette chapelle musicale Reine-Elisabeth. Bon, c'était très simple parce que le moment où la chapelle a commencé les grandes réformes, donc c'était toute une nouvelle chapelle et Augustin Dumais était invité comme maître de violon, donc la figure principale de violon à la chapelle. Et puis il a cherché quelqu'un qui pourrait lui aider comme assistante. Et à ce moment-là, il avait plusieurs coïncidences heureuses dans ma vie qui s'est passée. Déjà, il m'a entendu au concours Reine-Elisabeth. 2001. Ça fait longtemps. Et puis, à ce moment-là, j'ai joué beaucoup avec Gérard Cossé. On a fait plein de choses ensemble. Et Augustin parlait avec Gérard. Et c'était Gérard qui lui a donné cette idée. Pourquoi tu n'invites pas Tatiana ? Gérard Cossé, qui est un grand altiste. Hein. Voilà. Et donc, elle avait des étoiles qui sont mises de telle façon que je suis là déjà depuis 2004, 5, la nouvelle chapelle. Depuis 2005. Ouais. Alors, petit rappel biographique, hein, je ne l'avais pas dit, vous avez été lauréate du concours Reine-Elisabeth en 2001. Avant cela, vous avez étudié dans votre pays, hein, la Russie, au conservatoire de Moscou. Puis vous avez travaillé avec Igor Oistrakh au conservatoire de Bruxelles. Je l'ai dit, vous êtes une quartettiste. Vous avez aussi étudié à l'Académie Reina Sofía à Madrid. Très, très grande école en Europe dont on ne parle pas assez. Et puis, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est une rumeur, vous jouez un Stradivarius qui a appartenu à Fritz Kreisler. C'est vrai, ça ? J'ai joué Stradivarius pendant 10 ans, qui a appartenu à Fritz Kreisler. Malheureusement, ce n'est plus le cas, parce que Stradivarius a parti. Et donc pour l'instant je suis en recherche de notre grand violon. Alors on le dit sur antenne, Tatiana Samouil cherche un violon, s'il vous plaît manifestez-vous lg@rtbf.be si vous avez un instrument à lui prêter. J'adorerais pouvoir vous prêter un violon, ça doit être très très chouette pour un mécène d'avoir une artiste comme vous qui joue un grand violon. Mais je ne sais pas, surtout que le violon doit être joué. On ne peut pas laisser le violon dans le coffre ou comme en peinture juste dans le musée. Ce n'est pas la même chose. C'est comme la maison qui doit être habitée. Si le violon ne joue pas, il est très malheureux. Il commence à perdre ses couleurs, puissance. Et donc, il faut absolument que le violon joue. C'est une personne. Alors, les applaudissements qui saluent l'entrée de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. Ce concert va commencer avec une œuvre peu jouée, le concerto en ré mineur pour violon et piano de Félix Mendelssohn. Tatiana, il avait 14 ans quand il a composé ce concerto. C'est une œuvre un petit peu rare, on ne l'entend pas beaucoup. C'est-à-dire que malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'œuvres pour violon, piano et l'orchestre. Et donc, si on a envie de jouer ensemble, on le joue assez souvent. C'est vrai qu'on ne l'attend pas de même façon que concerto pour violon mi mineur, mais pour violon ou piano, ça se joue quand même. Alors le mi mineur dont vous parlez, hein, c'est le c'est grand, le grand concerto, le grand. L'opus 64 voilà, qu'on entend tout le temps en Reine-Elisabeth. Voilà. Alors ça c'est écrit hein, beaucoup plus tard dans la vie de Mendelssohn. Ici ça va être joué, j'ai envie de dire, par deux vieux copains, Renaud Capuçon et Franck Bralet. Ils ont fait beaucoup de musique de chambre hein, ensemble, ces deux musiciens. L'amitié musicale est très très importante. Il y a beaucoup des œuvres qui sont nées grâce à l'amitié musicale, par exemple, tous les grands œuvres de violoncelle qui est écrit pour Rostropovitch, par exemple. Ici, nous avons le concerto qui va être joué à cause de
deux copains aussi. Et c'est comme ça qu'on joue parfois des œuvres. On cherche, ah, tiens, qu'est-ce qu'on a pour nous ? Qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble ? Voilà. Oui, alors, quand je dis deux copains, ce n'est pas exagéré. Hein. Ils ont beaucoup pour enregistrer en musique de chambre. Je pense par exemple au trio avec piano de Ravel, avec Gauthier Capuçon, le frère de Renaud, et Franck Bralet. Ils ont vraiment beaucoup, beaucoup tourné sur scène. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Franck Bralet, c'est un concertiste, mais c'est peut-être un des plus incroyables chambristes qui soit. Il a le toucher délicat de velours. Tout à fait. Et puis Renaud Capuçon, j'imagine que vous le connaissez bien, c'est un de vos copains. Mais je ne dirais peut-être pas, c'est un copain, mais on s'est connus depuis très longtemps. Parce que à l'époque, vous êtes de la même génération, on ne va pas donner vos âges, mais vous êtes de la même génération. De la même génération, et on a fait l'orchestre Gustav Mahler ensemble, dernier siècle. Au 20e siècle. Au 20e siècle, c'est ça. Et puis, on s'est vu plusieurs reprises après. Et j'ai participé à son festival à Chambry, dernière édition. Voilà. C'est un concerto que vous avez joué, Tatiana Samoïl, ce concerto qu'on va entendre maintenant. Voilà, j'ai joué ce concerto et je trouve que c'est une très, très belle concerto. Qu'est-ce moi, que vous j'aime aimez beaucoup. Mais moi, j'ai une passion pour Mendelssohn. J'aime tout ce qu'il a écrit. Musique de chambre aussi. Musique de chambre, l'équateur, sonate, je joue aussi. Les deux concertos de mi mineur aussi, de ré mineur. Et je trouve qu'il a un lyrisme absolument incroyable. Alors, les applaudissements qui saluent l'entrée des deux solistes. Hein, Franck Bralet, le pianiste qui devance Renaud Capuçon, le violoniste. Ils prennent place. Alors, Tatiana, c'est Franck Bralet qui va aussi diriger l'orchestre de son piano. Hein. C'est très courageux. Voilà, ils vont s'accorder. Et dans quelques minutes, ce sera le concerto en ré mineur pour violon, piano et orchestre à cordes MWV 04 de Félix Mendelssohn. Nous sommes en direct du studio 4 de Flagey, l'orchestre royal de chambre de Wallonie, Renaud Capuçon et Franck Bralet dans Mendelssohn. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Renaud Capuçon au violon, Franck Bralet au piano et à la direction de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. On écoutait le concerto en ré mineur pour violon et piano MWV 4 de Félix Mendelssohn. Quelle fougue, quelle énergie, alors que Franck Bralet applaudit son orchestre et que les deux solistes saluent le public du Studio 4. Je rappelle que nous sommes ce soir en direct à l'occasion du concert d'ouverture du festival annuel de la Chapelle musicale Reine-Elisabeth, qui a pour thème cette année les duos. Et quel duo que ce duo de Renaud Capuçon au violon et Franck Bralet au piano. Alors, Tatiana Samouil, violoniste, professeur à la Chapelle musicale Reine-Elisabeth, je vous ai vu beaucoup sourire hein, pendant ce concerto. Il y avait une joie de la part de Renaud Capuçon et Franck Bralet immense. Oui, et c'est vrai que le lien que peut comparer avec une performance en live. Et je trouve qu'on doit vraiment aller au concert pour sentir l'énergie. C'est pas du tout possible d'avoir la même chose à la maison. C'était un moment magnifique. On vous entend à peine tellement le public est content. Oui. Hein. Ils sont vraiment ravis. Renaud Capuçon, Franck Bralet, qui regagnent les coulisses tout doucement. Oui, alors vous disiez, c'est vrai, on ne peut pas vivre ça avec un disque. Hein. Non, on ne peut pas vivre avec un disque. C'est vrai qu'il faut se déplacer, il faut aller dans la salle de concert pour avoir ce moment de live. Et moi, je suis très contente d'être ici ce soir. Alors, il y a évidemment, vous, votre ressenti de violoniste. On rappelle hein, que c'est un concerto de jeunesse. C'est aussi quelle jeunesse, il avait 14 ans. Et pourtant, on sent que tout est déjà en place chez Mendelssohn. Toutes ses idées, toute la conception harmonique, toute l'architecture, tout est déjà là. On le reconnaît tout de suite, Mendelssohn. On le reconnaît son langage, brillance, le concerto extrêmement virtuose pour violon. C'est vraiment, il a quelques passages très, très difficiles à gérer. Et c'était une performance absolument magnifique. Renaud Capuçon, il se joue de toutes les difficultés. Comme oui, tout passe au-dessus de tous les obstacles. Bien sûr, c'est un grand violoniste, un grand musicien. Mais ce que m'a aussi beaucoup, beaucoup plu, c'est la complicité entre les deux artistes. Et ce n'était même pas une note qu'ils n'ont été pas ensemble. Et pas seulement physiquement, mais aussi dans l'esprit. Et ça, on voit très rarement quand même dans les duos comme ça. Et c'était quelque chose d'assez exemplaire. Alors, ce qui est assez extraordinaire dans cette musique, je reviens à Mendelssohn, c'est que c'est un peu de la musique de chambre aussi, ce deuxième mouvement. Il n'y a presque pas d'orchestre. Non, ils ne jouent jamais ensemble. C'est l'orchestre. C'est une sonate. Et puis, oui, c'est une sonate, c'est une aria comme ça. Je trouve ces concertos très opératiques. Le premier mouvement aussi, la cadence. On pense beaucoup à Diva, à Maria Malébran. voilà, donc ça me rappelle beaucoup d'opéra, ces concertos. Et tout était merveilleusement bien évoqué ce soir. Pendant qu'on parle, Tatiana Samouil, violoniste, eh bien, on est en train d'installer le deuxième piano parce que maintenant, ça va être le concerto en mi bémol majeur pour deux pianos, Köchel 365 de Mozart. C'est le 10e concerto pour piano de Mozart. C'est le seul que Mozart a écrit pour deux pianos. Le 7e est pour trois pianos. Et puis, dans les 25 autres, ce sont des concertos pour piano. On connaît surtout à partir du 14e, hein, 20e, 21e. Ouais, ouais. On ne connaît pas les tout premiers, même pas du tout. Ici, donc, c'est ce concerto un petit peu rare, hein, ce 10e, qui sera interprété par Nathanaël Gouin et Naré Argamanian. Alors, Nathanaël Gouin et Naré sont tous les deux des pianistes, donc Nathanaël Gouin a été artiste en résidence, il a travaillé avec Maria Joa Piresh, et puis Naré Argamanian, lui, il y est encore, il y est depuis peu, depuis septembre 2016,
Il a étudié à Erevan, dans son pays, en Arménie. Il a, comme Nathanaël Gouin, une carrière déjà bien lancée. Il collabore avec de grands orchestres, l'Orchestre symphonique de Vienne, l'Orchestre de Birmingham. Il a enregistré déjà plusieurs disques solo, Rachmaninov, Prokofiev, Liszt. C'est aussi le cas de Nathanaël Gouin, qui a enregistré un très beau disque avec un concerto que je vous recommande. C'est le concerto de Lalo, qu'on ne connaît pas bien pour piano. Il y a aussi un concerto pour violon, et puis on l'a entendu à l'entracte. Nathanaël Gouin a enregistré la musique de Liszt, les harmonies poétiques et religieuses qu'on écoutait juste avant la seconde partie. Vous l'entendez, l'orchestre est en train de s'accorder. On a remis les pianos dans la même position qu'en première partie, c'est-à-dire qu'ils sont tête bêche. Il y a les deux pianistes se font face. Cette musique de Mozart, finalement, Tatiana, elle est à peine 40 années avant la musique de Mendelssohn. Hein. Oui, c'est pas beaucoup. C'est assez proche dans l'histoire. Proche. Alors, il y aurait apparemment un changement. Non, pardonnez-moi, il n'y a pas de changement. Je confondais. Voilà, Nare Argamanian avec une longue robe bleue. Et puis, Nathanaël Gouin au piano. Il s'installe, il serre la main du concertmeister Jean-François Chamberlain. Franck Bralet a repris sa place de chef d'orchestre. Ils s'installent tous les deux, ces deux pianistes, Nare Argamanian et puis Nathanaël Gouin, pour ce concerto pour deux pianos de Mozart, que Shell 365, on est en direct de Flagey. Thank you.
Thank you.
Le concerto en mi bémol majeur pour deux pianos, Köchel 365 de Mozart, 10e concerto pour piano de Mozart avec Nathanaël Gouin et Nare Argamanian au piano. Il y avait donc deux pianos sur cette scène, ainsi que l'orchestre royal de chambre de Wallonie qui était conduit ce soir par Franck Bralet, également un pianiste. Voilà les deux artistes, Nare Argamanian dans une magnifique robe bleue et Nathanaël Gouin, sont très applaudis. Ils applaudissent aussi l'orchestre. Tatiana Samouil, vous êtes violoniste, vous êtes à nos côtés. Quelle lumière dans cette musique! Magnifique. Quelle lumière, quelle énergie, quelle jeunesse. Et puis c'est assez magnifique d'entendre dans une même soirée Bach, Mendelssohn et puis revenir à ce point milieu avec Mozart. Oui. C'est un très très bel programme. Voilà, alors le public est vraiment ravi. Il y a eu beaucoup de joie dans cette soirée, beaucoup de sourires que j'ai pu observer dans la salle, beaucoup de sourires aussi de la part des artistes qui reviennent saluer sur scène. Très applaudi par Franck Bralet, Nare Argamanian qui descend les marches avec de très hauts talons et puis Nathanaël Gouin en chemise noire. Ils saluent tous les deux le public du Studio 4 de Flaget. À 22h43, tout le monde est toujours bien là. Et puis c'est Renaud Capuçon qui vient saluer avec les deux pianistes. Renaud Capuçon qu'on a entendu dans le concerto en ré mineur pour violon et piano. Les quatre solistes de cette seconde partie qui saluent le public du Studio 4 de Flaget. Ils reçoivent en cet instant un bouquet de fleurs, un bouquet orange, blanc et multicolore pour Renaud Capuçon. Le public en redemande. Tatiana Samouïk, c'est difficile de faire un bis hein, avec un programme pareil. Oui, surtout qu'il y a quatre solistes, donc à quatre. On peut être certain qu'il n'y aura pas de bis. Hein. Oui, peut-être pas. Voilà, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, très applaudi par Franck Bralet et par tout le public. Donc quelques personnes se lèvent. Voilà, les applaudissements se taisent. Et ce sera la conclusion de ce concert d'ouverture du 8e festival de la Chapelle musicale Reine-Elisabeth consacré au duo. On a eu beaucoup de beaux duos ce soir, Tatiana Samouïl. C'est une magnifique idée, je trouve, le duo. On a eu donc ces duos de deux pianos dans la musique de Jean-Sébastien Bach. Deux pianos, puis deux violons, et puis on a eu en seconde partie violon-piano ici, deux pianos. Tatiana Samouïl, je vous remercie beaucoup d'être venue à notre micro. Un plaisir. On a eu de très beaux duos au micro aussi ce soir avec vous, avec également Jean-Claude Van Den Heyden. Voilà, et tout un duo. Et Augustin Dumais. Tatiana Samouïl, quels sont vos prochains projets musicaux de musique de chambre avant qu'on se quitte? Mais demain, on joue le 2 quintet de Brahms avec deux altos. Très bien, ce sera à quelle heure? À 18h. Ici au Studio 1? À Studio 1 avec Gary Hoffman et les jeunes artistes de la chapelle. Et puis mon prochain projet d'enregistrement, ça sera pour fin de mois avec David Lively. Pianiste donc? Pianiste David Lively. Donc on enregistre le programme français avec les sonates françaises de Ravel, Debussy et Fauré. On se réjouit et il nous tarde d'écouter cet enregistrement qu'on diffusera certainement sur Musique 3. Tatiana Samouïl, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Toutes les informations sur ce festival qui a commencé ce soir et qui se poursuit jusqu'à dimanche soir sur le site musicchapel.org. Alors pour terminer cette soirée, il me faut remercier pas mal de personnes. Tout d'abord, la prise de son ce soir qui était assurée par Francis Willems, Edith Erregotz et Benjamin Vandenbroek. Et puis pour la mise en image, il y avait Olivier Herman de Wash Productions ainsi que Johan Tardivel, conseiller musical. Et puis j'allais oublier en studio Katia Madol. Alors aujourd'hui, c'était le concert d'ouverture. Hier, Jean d'Ormesson décédait. Aujourd'hui toujours Saint-Nicolas et puis une star qui dépasse toutes les musiques.
qui est morte ce matin, c'est Johnny Hallyday. Oui, ça peut vous paraître étonnant, mais comme me disait une artiste lyrique, si Johnny Hallyday a pu chanter 55 ans, eh bien c'est qu'il avait de la technique vocale, sinon il aurait été à faune. C'était une belle citation d'une artiste lyrique que je ne citerai pas. Et donc, je vous propose qu'on se quitte avec une chanson de 1963 de Johnny Hallyday. Il avait 20 ans tout juste et ça s'appelle « L'idole des jeunes ». Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Je cherche celle qui serait mienne, mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Je ne fais que passer. Dans la nuit, je file tout seul. Johnny Hallyday en 1963, oui, à musique.